Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est donc ma routine soins cheveux et visage. J'ai décidé de tout faire d'un coup, comme ça c'était beaucoup plus simple. Donc je vous montre comment je me démaquille le soir et comment je nettoie mon visage, quels sont les produits soins que j'utilise ainsi que les masques que j'utilise. Donc il y a un peu tout, il y a du naturel fait maison et également du naturel fait par l'industriel, mais qui sont quand même avec une composition plutôt propre. Donc concernant mes cheveux, j'utilise plusieurs produits et plusieurs soins. Donc j'utilise également, je fais également des masques assez régulièrement, des masques faits par mes soins. Je vous donne maintenant l'une de mes recettes. Donc j'utilise une base masque capillaire bio de chez Aromazone qui est riche en huile végétale de jojoba, de ricin, beurre de karité qui protège, lisse et nourrit les cheveux. Donc je mets une petite cuillère à café dans un bol auquel je viens rajouter donc une cuillère de glycérine. Bon là, la glycérine ça sera pour plus tard, c'est de l'huile de moutarde. Donc vous rajoutez ça au masque. Donc ensuite, j'ajoute un actif cosmétique Keratin Protect également de chez Aromazone qui apporte de la brillance, de la douceur aux cheveux et il les protège également de la déshydratation et des agressions du lisseur ou du sèche-cheveux. Donc ensuite, je rajoute quelques gouttes de complexe hydratant toujours de la même marque. Donc comme son nom l'indique, ce complexe permet donc d'ajouter de l'hydratation aux cheveux. Et pour terminer, donc j'ajoute de la glycérine végétale avec la luminosité malheureusement. Vous ne voyez pas vraiment le nom du produit, mais c'est bien de la glycérine végétale. Donc, et pour finir, vous mélangez le tout et vous appliquez donc sur vos cheveux. Pour ma part, je l'applique sur les cheveux secs et je laisse poser en moyenne 1 ou 2 heures minimum ou bien toute la nuit pour éviter donc de tacher vos draps puisque je trouve que l'huile de moutarde a tendance à tacher les draps. Vous pouvez utiliser donc soit du cellophane soit une serviette, en tout cas protéger réellement vos coussins. Donc en général pour nettoyer ces soins j'utilise 2 produits, donc le shampoing lavage fréquent au pamplemousse et au miel de la marque Melvita ainsi que le baume des mélons douceur de la même marque, donc de chez Melvita, ou bien, comme je vous le montre ici, un masque fait maison grâce aux produits d'Aromazone. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure, c'était en fait le masque de nuit que je laisse poser donc pendant toute une nuit. Là, je vous montre en fait le masque après shampoing, donc qui va permettre en fait d'adoucir vos cheveux après avoir nettoyé vos cheveux. Donc comme je viens de vous le dire, c'est soit j'utilise le shampoing de chez Melvita, soit j'utilise le shampoing de chez Aroma, enfin fait grâce au produit Aromazone, et vous trouverez la recette sur le blog Naturellement Lila. Donc pour mon masque après shampoing, j'utilise donc le masque de chez Aromazone, toujours le même. Quelques gouttes de complexe hydratation intense, toujours de chez Aromazone. Quelques sprays donc de gel d'aloe vera. Ici, vous voyez que j'en mets 6. Donc c'est du gel natif d'aloe vera, également acheté sur Aromazone. Et pour finir, donc quelques gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang qui va avoir un effet régulateur et qui va apporter également de la brillance aux cheveux. Donc je mélange tous ces quelques produits et ensuite donc, je vais l'appliquer dans ma douche après mon shampoing comme un masque traditionnel. Donc une fois que mes cheveux sont propres et secs, ils ont séché en général donc à l'air libre, je fais ce que l'on appelle le cardoon, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc c'est une technique qui m'a été apprise donc par ma grand-mère, puis par ma mère. On m'a toujours fait ça aux cheveux quand j'étais plus jeune. Pendant très longtemps, je l'ai abandonné. Et puis maintenant que je grandis et que je vois les dégâts que peuvent faire les produits chimiques sur les cheveux, je me rabats plus vers les produits, vers les techniques naturelles comme celle du cardoon. Donc vous pouvez trouver donc les cardoons en France.
sur certains sites internet. Je vous mettrai en barre d'infos si je trouve des sites qui vendent ce produit. Donc le cardoon est une technique de lissage oriental sans chaleur. Donc c'est comme un tube que vous enroulez autour de vos cheveux et qui permet en fait de les lisser, de les protéger donc des mouvements de la nuit, de permettre à ce qu'ils régressent moins vite, surtout si vous utilisez des crèmes grasses pour le visage. Grâce au cardoon, vous aurez les cheveux en fait qui seront protégés, qui seront autour du ruban, et donc vos produits visage iront moins donc dans vos cheveux. En plus de ça, ça vous... Chez moi, on dit que ça permet à ce que les cheveux poussent beaucoup plus vite, vu qu'ils sont protégés, ils sont en meilleure santé, ils sont beaucoup plus doux et brillants. Le seul défaut que l'on peut reprocher au cardoon, c'est son manque d'esthétisme. Je peux comprendre que certaines personnes ne veulent pas l'utiliser, surtout quand elles sont avec leur conjoint, parce que voilà, c'est pas non plus la chose la plus classe. Mais vous pouvez bien sûr le faire occasionnellement, ou au moins la nuit, après le lavage. C'est vraiment le moment le plus simple pour le faire et vous n'avez pas besoin de faire tous les soirs. Vous faites en fait le premier soir du lavage, ensuite vous vous arrêtez et dès que vous relavez vos cheveux, vous refaites le cardoon. Deuxième défaut également, enfin deuxième reproche qu'on peut faire au cardoon, et d'un côté, bon, faut pas demander la lune, c'est que le lissage n'est pas parfait. Vous avez quelques marques, donc là où au point de serrage, en fait, là où vous allez serrer votre cardoon, ça va faire en fait une espèce de petite vague que vous pouvez bien sûr rattraper au sèche-cheveux si vous le souhaitez. Et sachez également que vos cheveux, donc de la racine jusqu'au point de serrage de votre cardoon, ne seront pas lisses. Ils seront pas lissés aussi bien que les pointes, donc vous pouvez également reprendre cette partie au sèche-cheveux, mais c'est pas obligatoire, surtout si vous avez une mèche et que vous aimez les avoir un peu pas parfait, donc c'est une technique qui sera parfaite pour vous. Donc voilà, donc hormis le cardoon qui également favorise la pousse des cheveux et qui soigne, enfin, et qui prend soin, qui vous permet de prendre soin de vos cheveux. Donc je fais des masques assez régulièrement, des bains d'huile. Et donc là, je vous montre une autre façon donc de prendre soin de vos cheveux avec un masque, enfin un mélange que j'utilise sur mes racines, donc pour éviter qu'ils régressent vite et pour favoriser la pousse, ainsi que sur les pointes, vraiment quand vous êtes trop pressé, que vous n'avez pas le temps de faire des masques cheveux incorporant beaucoup de mélange, ou tout simplement si économiquement vous pouvez pas acheter tous ces produits sur Aromazone, parce qu'à certains moments ça commence à avoir un certain coût, même si je trouve qu'à la fin le coût final, en fait le rapport qualité-prix et le rapport quantité-prix est assez intéressant, puisque vous avez besoin pour faire un masque de quelques gouttes de chaque produit. Donc après avoir utilisé un mélange de gel d'aloe vera, d'huile essentielle de menthe poivrée et d'huile essentielle de titri sur mes racines, j'utilise de l'huile de coco sur mes pointes. Donc le premier mélange permet d'éviter à ce que les cheveux régressent trop vite et d'équilibrer le sébum, et l'huile de noix de coco va au contraire nourrir mes cheveux. Donc ensuite on passe au soin visage. Donc comme je vous le montre ici, vous voyez donc toute ma routine. Donc dès que j'arrive du boulot, j'enlève mes lentilles. Ensuite je nettoie directement avec ma Clarisonique. Donc pour celles qui me suivent sur Snapchat, je vous ai montré en fait ma dernière acquisition en matière de brosse pour ma Clarisonique. Donc vous trouvez des brosses un peu moins chères sur Amazon qui sont à peu près à 7 €. Elles sont beaucoup beaucoup moins chères et compatibles avec toutes les Clarisoniques, ça vous évite de claquer 25 €, elles sont extrêmement douces. C'est celle que j'utilise avec ma Clarisonique. Donc une fois que j'ai terminé de nettoyer mon visage avec un savon naturel de la marque Melvita, n'importe quoi, avec un savon naturel de la marque Velleda, donc j'utilise ma Clarisonique et je termine donc par l'hydratation avec du gel d'aloe vera, de l'huile essentielle, non, du gel d'aloe vera, le complexe hydratation de chez Aromazone, l'huile de nigel et l'huile de concombre. Donc pour démaquiller mes sourcils et mes cils, j'utilise de l'huile de ricin avec un coton-tige. Ça permet d'améliorer la pousse et de les renforcer. Donc ensuite, je termine avec les masques que je fais occasionnellement pour mon visage. Donc le masque détoxifiant avec une cuillère à soupe de charbon activé et une cuillère à café de gel d'aloe vera. Ou sinon, si vous êtes vraiment des personnes très pressées et que vous n'avez pas envie de faire vos propres mélanges, j'ai deux masques à vous conseiller. Donc tout d'abord, un masque Bonne Mine qui est encore trempé puisqu'il était dans ma douche. Donc c'est le masque bio, Bio Beauté by Nux Max détox vitaminé. Donc c'est pas un masque, lorsque vous allez appliquer vous allez faire waouh, mais il donne bonne mine. Le résultat malheureusement dure très peu de temps, mais ce n'est pas du tout, c'est un masque vraiment
Déjà l'odeur est à tomber, odeur très fruitée, mais en plus de ça il n'est pas abrasif au niveau de la peau, bon, donc vous pouvez l'utiliser assez régulièrement, c'est un masque passe-partout. Pour les masques un peu plus désincrustants, etc., je vais utiliser que très rarement et que sur la zone T le masque de chez Glam Glow, donc c'est le Super Mud Clearing Treatment, donc c'est un très très connu que j'utilise en général donc sur le nez et la zone T, c'est parfait, vous voyez tous les points noirs donc qui sortent. À ce prix là vous avez également vous pouvez également vous faire votre propre masque à la maison, donc je vous mettrai juste là la vidéo que j'avais faite pour le masque à l'argile fait maison qui a exactement les mêmes effets désincrustants, donc ça c'est exclusivement pour la zone T. Donc voilà, je pense que pour le visage on a fait le tour. Comme vous avez pu le voir, j'utilise de l'huile de ricin pour mes sourcils et mes cils, donc pour les démaquiller, pour finir de démaquiller le mascara, et pour mes sourcils pour favoriser la pousse. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé de n'importe quelle façon. N'hésitez surtout pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, je suis partout, vous retrouverez toutes ces infos en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.